La construction du vieux palais d'été commença en 1709. Elle dura plus de 150 ans. Sa splendeur subjuguait le monde entier. Les ambassadeurs l'avaient même surnommé le jardin des jardins. Devant le Haiwantang, hall de la paix nationale, était érigée une fontaine. Ornée des 12 statues du zodiaque chinois, elle avait la particularité de faire jaillir l'eau de la bouche des animaux tous les jours à midi. En juillet 1860, les armées étrangères prirent d'assaut le fort de Taku, terrassant les troupes affaiblies de l'Empire. Le 6 octobre 1860, l'ancien palais d'été fut assiégé. Les trésors impériaux, dont faisaient partie les 12 statues en bronze, furent brûlés ou pillés. L'incendie fit rage pendant 3 jours et 3 nuits. Ce chef-d'œuvre architectural vieux de 150 ans fut tristement réduit en cendres. 7 745 000 une fois ? Deux fois ? Adjugé vendu ! Objet suivant ! Un lot de 24 bouteilles de Mao Tai chinois parfaitement conservées, oubliées dans la cave d'une ferme pendant 55 ans. Les enchères démarrent à 2 millions d'euros. La surenchère minimum est fixée à 100 000 euros. Mesdames et messieurs, il n'en existe que 4 exemplaires dans le monde. Monsieur l'ambassadeur de Chine. Ravi de vous rencontrer. Veuillez excuser mon retard, je suis désolé. C'est nous qui devrions vous présenter nos excuses. Regarde, j'ai l'impression qu'il y a un éclat sur le bord. Suite à la guerre, il y a plus de 150 ans, mes ancêtres ont rapporté certains trésors qui ne leur appartenaient pas. Et à chaque fois que je pose les yeux sur ce bronze, je me sens coupable. Il fait partie du patrimoine commun de l'humanité. Il ne devrait pas être la propriété d'une ou deux personnes. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'en faire don à un musée chinois. Monsieur, ce n'est que mon avis, mais si tous les gens réagissaient comme vous le faites, le monde se porterait bien mieux. Quoi qu'il arrive, je vous souhaite du fond du cœur de réussir un jour à retrouver le reste des têtes de bronze. Pas de dernière offre ? Vendu ! 7 millions ! Vendu ! Félicitations, monsieur Morgan, vous voilà l'heureux propriétaire des 4 timbres les plus rares au monde ! Erreur ! Pas 4 ! Désormais, il n'y en a plus qu'un dans le monde ! Le patron est de retour. C'est maintenant l'unique exemplaire. J'ai regardé le cours du marché, sa valeur a triplé en une seule nuit. C'est papa qui a eu l'idée. C'est du génie. Vous voulez une antiquité hors de prix ? Il n'y a qu'à demander. Suivant. Percy a téléphoné. Il avait des doutes sur le tableau du soleil levant. Comment ça, des doutes ? Ils ont appris à douter, ils ont un cerveau maintenant. Bon, ce que vous allez faire, c'est le racheter à un prix légèrement supérieur comme on le fait d'habitude. Parce qu'on sait tous qu'un faux devient plus vrai que l'original quand il a été acheté et vendu plusieurs fois. Suivant. La 5e tête de bronze s'est très bien vendue. C'était au-delà de nos espérances. Les acheteurs présents à cette saison des enchères étaient tous des hommes d'affaires. Tous fous, amoureux de leur pays. C'est parce qu'ils sont prêts à tout pour récupérer leur vieille relique. Leur amour de la patrie, c'est notre gagne-pain. C'est du génie. Chacune de ces têtes s'est vendue plus cher que la précédente. Comment vais-je pouvoir mettre la main sur ces deux petits bijoux ? Des noms, donnez-moi des noms, je veux des noms. Et si on appelle Vautour ? Je pensais à quelqu'un de plus proche de nous. Et qu'est-ce que vous pensez de JC ? Il n'a toujours pas réussi à trouver le tableau des roses. Des roses, on s'en fout complètement des roses. Tu vas dire à JC que s'il arrive à me rapporter les têtes manquantes, il aura droit à une jolie petite prime. Du moment qu'on allonge l'Afrique, JC est prêt à faire tout ce qu'on veut. Alors tu lui dis que c'est 1 million d'euros par tête, et que si en plus il nous rapporte le dragon, j'ajouterai un zéro. C'est du génie! Hé! Hey, vous pouvez pas rester là! Bonjour, j'ai très envie de faire pipi. T'as vu cette bombe? S'il vous plaît. Oui, c'est par ici. Merci. Voilà. Hein? Oh, au fait, papa, c'est une idée brillante. Tu sais que c'est l'année du dragon. On va s'en mettre plein. Allez, va faire mumuse. Je veux plus te voir.
Débrouille-toi pour trouver JC. C'est comme si c'était fait. Bon, il est où en ce moment? Sûrement en train de se la couler douce dans un hamac. Hé, hey, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça sonne? C'est peut-être un exercice. Ils en ont déjà fait un il y a 2 semaines. J'aperçois vos véhicules, mais rien d'autre. Où il est? Croyez que vous l'aviez intercepté? C'est quoi ça? Attrapez-le! C'était quoi? C'est Jonathan. T'en es où avec le tableau des roses? Je suis en vacances. Si ça t'intéresse, j'ai une nouvelle mission à te confier. Ouais, ça paye bien? Les 12 têtes de bronze de l'ancien palais d'été, t'en as entendu parler? Les têtes du Zodiac? Professeur,
professeur Guan? Oui. Voici Martine qui travaille pour National Geographic. Voici le professeur Guan. Bonjour, professeur. Ravi de vous rencontrer. Le travail de National Geographic est reconnu dans le monde entier. Nous recherchons besoin d'un maximum de soutien de la part de nos partenaires. Et en particulier, de la part d'un média aussi respectable que le vôtre, n'est-ce pas? Je fais actuellement un reportage sur les 12 têtes de bronze. Comme vous êtes la référence, nous voudrions approfondir le sujet avec vous. Les pyramides d'Égypte, le Parthénon en Grèce, ou le temple d'Angkor au Cambodge, ont subi le même sort que l'ancien palais d'été en Chine. Grand nombre de reliques et de trésors ont été pillés, détruits ou volés. Bonjour, professeur. Bonjour à tous. Ces étudiants viennent du monde entier. Ils travaillent sur le site depuis des années et se démènent pour rapatrier les vestiges de leur pays d'origine. Chacun met beaucoup de cœur à l'ouvrage. Il faut des siècles pour créer un chef-d'œuvre, mais quelques instants suffisent pour qu'une bombe ou un incendie le réduise à néant. Après des recherches approfondies, nous sommes parvenus à reproduire des répliques exactes des têtes de bronze. Et aujourd'hui, vous êtes le premier reporter à les voir. Pas de photos. Ah, d'accord, désolé. 5 d'entre elles ont été vendues aux enchères. Qu'en est-il des autres? Différentes rumeurs circulent quant à leur localisation. L'une de mes étudiantes, qui vit à Paris, est spécialisée dans les antiquités chinoises. Récemment, elle a pu étudier de près 2 des têtes vendues aux enchères. Lesquelles? La tête de lapin et la tête de rat. Ah, vous pourriez me mettre en relation avec elle? Restez là, je vais la prévenir tout de suite. Je vous remercie. J'ai le droit de toucher ou pas? Oui, bien sûr. Merci. Oh, ne vous embêtez pas avec ça. Ah, question d'hygiène. Ça arrive. La tête de rat est prête. Et ça a beaucoup de valeur? Ça dépend de ce que vous entendez par beaucoup de valeur. Pour vous, je vous fais les 2 à 10 euros. Voici votre récépissé. Bienvenue à Paris. Merci beaucoup. Dans vos cœurs. La paix. Compris. C'est clair pour tout le monde. On n'est pas là pour agresser qui que ce soit. T'es sûr qu'elle habite là? C'est ce que dit le GPS. Attends-moi ici. Paris. Quoi? Tu t'es foutu de moi? C'est ta taille? C'est pas ta taille? Bah si c'est pas ta taille, c'est la vendeuse qui s'est trompée. Va te faire foutre! Ok. C'est fini entre nous. C'est fini entre nous! Mais non, c'est pas fini. Je t'aime, Coco. Oh, Heini. Oh, Heini? Oh, Heini? Ça m'étonnerait. Bon, ça suffit. Si c'est comme ça, rends-moi mes clés. Wow. Et vous, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites ici? C'est le professeur Guan qui m'envoie. Bougez pas. C'est qui l'aventurier? C'est ton nouveau mec? Oui. Oh. Merci, beau réflexe. Oh, je vous en prie, elle veut plus vos clés? Elle a dit que c'était fini entre nous. Moi, je veux seulement les récupérer, comme ça je pourrais les donner à une autre copine. Ah. Oh. Je suis désolé, c'est parti tout seul. Je vous embêterai. Super, la chinoise, super. On y va, dépêche-toi. Vous êtes Marvin Shanguan? Oui. Pourtant, d'après mes recherches, Marvin Shanguan est mort il y a plusieurs années. Ah, Marvin, c'est mon cousin, moi je suis Martin Shanguan. Oh, vraiment? Bon, alors suivez-moi. Tout le monde, écoutez-moi. Voici Martin, de la chaîne National Geographic. Il est venu à Paris pour faire un reportage sur les têtes de bronze. On a besoin d'un maximum de soutien de la part des grands groupes tels que National Geographic. Je vous promets de faire de mon mieux. L'association que nous avons créée a pour objectif de collecter les reliques perdues et de les restituer à leur pays d'origine. Bien entendu, les 12 têtes de bronze en font partie. Ah, donc celles-ci doivent être les 2 exemplaires qui se trouvent ici en France? Oui, elles appartiennent désormais au comte Marceau. Je les ai authentifiées.
Le professeur Guan a vérifié les dimensions, ce sont les vraies. Et ça, j'imagine que c'est le château où habite le comte. Désolée. Ah, déformation professionnelle. Hé, venez m'aider. Par ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Marchez discrètement avec Cooking. On était en train de surveiller un cargo qu'on soupçonnait transporter des antiquités volées. Et là, des gars sortis de nulle part nous sont tombés dessus. J'ai dû menacer d'appeler la police pour qu'ils arrêtent. C'est beaucoup trop risqué. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, nos actions sont pacifistes. Et toi, t'aurais dû les en dissuader. Non. Bon, c'est moi que vous allez écouter. J'aimerais rappeler à chacun d'entre vous les règles de base de notre association. Petit 1, on ne donne pas de fil à retordre à la police. Petit 2, on ne se mêle pas de ce qui ne nous regarde pas. Et petit 3, on ne perturbe pas l'ordre public. Je suis entièrement d'accord. Vous pouvez compter sur mon soutien. Je suis producteur pour National Geographic. Et aussi reporter? Oui. Chinois? Oui. Aidez-nous à faire tomber MP Corporation. Il faut salir leur réputation. Un média doit être objectif. Notre rôle est de rapporter les faits. On n'est pas là pour mentir ou déformer la réalité. Je déforme rien. Regardez les photos que j'ai prises. Ça suffit. Assieds-toi. Ne vous énervez pas. Je suis vraiment désolée que vous assistiez à ça. Quoi qu'il en soit, on ne peut rien faire pour vous. Au revoir. Avant d'y aller, je peux vous parler en privé? Oui, bien sûr. Attendez, pas ici. Venez avec moi. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je dois vous mettre en garde. Ces gens contre lesquels vous manifestez, vous et vos amis, vous devriez vous en méfier. Allez, c'est bien. Au revoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va craquer leur code. À ce moment-là, je serai à l'intérieur. Vous m'aiderez à m'enfuir. Le terrain autour du château est plat. Il y a une seule zone encaissée. Et c'est là que vous me récupérez. Suivez-moi. Vous y trouverez tout ce que vous cherchez. Je vous laisse regarder. C'est pas que je m'ennuie là où je suis, mais ce serait bien que tu décroches. Est-ce que vous êtes sûre de leur authenticité? Sûre et certaine. Il est vrai que plusieurs répliques circulent actuellement sur le marché. D'ailleurs, même certains grands collectionneurs se sont fait piéger. Mais si vous avez des doutes, libre à vous de vérifier. Bien, laissez-moi tout ça et je vous recontacterai bientôt. Bon, bah rappelle-moi. Le comte Marceau ne portait pas de gants. Ses empreintes doivent être sur le portfolio. J'ai l'impression qu'ils se dirigent vers la pièce secrète. Le système de sécurité pour y accéder se trouve dans la bibliothèque. Ils n'ont pas lésiné sur les moyens. On avait dit juste. Le comte est un maniaque de la propreté. Il supporte pas la poussière, tout comme toi. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Eh ben alors, on attend. Ils disent tous au revoir au patron. Tu vois ça, ouais. Dites-moi quand vous êtes prêts. C'est bon pour nous. Dans 5 secondes. Je vois ses empreintes. Dépêche-toi, il retourne à l'intérieur. Je l'ai trouvé, sur une étagère. Oh non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il y a en tout 3 combinaisons de 46 caractères. Même avec 8 ordinateurs, ça prendrait 2 jours. Thank you.
Mais qu'est-ce qu'il fait, le patron? Pourquoi une personne aussi maniaque du rangement ne classerait pas ses livres dans le bon ordre? Le A devrait être placé ici. Le 4, là. Et le 3. Ah, c'est comme ça qu'il se souvient de son mot de passe. Marion? Marion? Oui, monsieur? Les cafés, s'il te plaît. Très bien, monsieur. On y va. D'accord. J'ai découvert un mot de passe. A, 4, 3, 5, 19, 66, A, 19, 82, 11. Et voilà. Tu vois les têtes de bronze ? Ça devrait pas tarder. La tête de rat. Et celle du lapin. Est-ce qu'elle ressemble à nos répliques? Pour moi, il n'y a aucune différence. Tu vois autre chose qui pourrait nous intéresser? Non, il n'y a que des babioles. Devinez ce que j'ai devant moi. Je sais pas. Je sais pas. Le sceptre de Toutankhamon est celui de la dernière tsarine de Russie. Et dans une boîte à bijoux à côté, l'étoile d'Arabie. Tous ces objets sont des reliques qui ont été volées. Oui, et maintenant, ils nous appartiennent. Yes! Devinez sur quoi je viens de tomber. Sur quoi? Un tableau qu'on a toujours rêvé de voler. Tu veux parler des roses? Bingo. Je veux dire que ça fait des années que je te cherche. Et voilà que c'est toi qui viens me trouver. C'est mon jour de chance. Vous voyez? Sur cette photo? Hein? Vous êtes qui? Hé, hey, mais vous êtes qui? Hé, hey, hey, qu'est-ce que vous foutez là? Hé, hey, sécurité! Hé, hey, sécurité! Hé, hey, arrêtez! Hé! Hey hey, les gars! Regardez, il est en haut! Suivez-le! Vous m'opérez! Qu'est-ce qui se passe? Je suis toujours à l'intérieur, il y a des chiens qui veulent me bouffer, trouvez-moi une sortie! Fais-moi les malins maintenant, hein! Oh, je parlais trop vite! Je suis au sud-est du château, par où je dois aller? Tu vas tomber sur un labyrinthe, surtout n'y entre pas! Fallait me le dire avant. Tu crois que tu peux décoller? Il pourra jamais y arriver. J'ai pas le choix, faut que j'essaye.
Amstramgram, piqué, piqué, par ici. J'y sais, au cas où t'aurais oublié, t'es pas dans une cour de récréation. Trouve-moi plutôt une sortie au lieu de me faire la leçon. On ne peut pas te géolocaliser, ça ne fait pas dans les airs. Pourquoi ils s'arrêtent? Ils sont peut-être myopes. Il me faut plus d'espace. Je suis dans un cul-de-sac. Tu fais quoi là? Parle le Doberman. Je rêve où ce Doberman vient de t'obéir. Il faut croire que j'ai raté ma vocation. Merci, on vous appelle plus tard. D'accord. Sécurité, sécurité. Sécurité, inspecteur, tout de suite. J'ai réussi à sortir, ça y est! Appelle Simon et demande-lui de s'occuper du reste. On est un peu en froid, je préférerais que ce soit toi qui l'appelle. Martine! Martine! Mais enfin, qu'est-ce que vous faites là? On se connaît? Que j'ai vu dans le château tout à l'heure. C'est celui Coco. Vous devez confondre. Je rêve ou il vient de m'appeler Coco? C'était vous, je le sais. Attention! Je sais que c'était vous. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, vous voulez nous tuer? Comment avez-vous osé faire ça? Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Ils nous ont eus, ils se connaissent. Merde! Allez, on bouge. Vous allez me lâcher, oui? Vous feriez mieux de regarder la route. Vous allez nier encore longtemps? D'accord, c'était moi. Qu'est-ce qui vous a pris de faire une chose pareille? Ce serait trop long à vous expliquer, c'est pas le moment. Martine, ça va? On se retrouve à la péniche. Simon, je suis derrière toi. Fais marche arrière et récupère-moi sur la route. Pile poil. Elle est où l'autre tête? C'est Coco qui me l'a prise. Je sais que vous n'êtes pas reporter. Qui êtes-vous? Qui est moi? J'ai une double identité. Je suis président d'une fondation à but non lucratif qui agit sur le plan international pour retrouver des reliques et les rendre à leur pays d'origine. Quelle fondation? Je n'en ai jamais entendu parler. Parce que vous connaissez toutes celles qui existent dans le monde. Vous comptez faire quoi avec cette tête? J'ai l'intention de la rendre au gouvernement chinois. Excellente idée.
maison, bordel, c'est là, les gars. Allez, on y va. On y va. On le retrouve. Dépêchez-vous. C'est là. Bonjour. Oh, c'est pas vrai. Hein. Allô, la police? C'est bien celle que j'ai authentifiée. Qu'est-ce qui se passe? Restez à l'intérieur. Hein? Hé, hey, qu'est-ce que vous faites? Police, ne bougez pas! Je vous garantis que ces deux-là sont complices, vous m'entendez? C'est pas vrai! Ah, la famille Marceau a une réputation impeccable! Avait une réputation impeccable. Quant à ces cassettes qu'on a visionnées, c'est complètement brouillé. On n'y voit rien. Et cet homme a les documents officiels de la douane. Quant à votre témoin, elle n'a rien vu au château. Ah, c'est pas vrai! Catherine est rancunière vis-à-vis de son oncle parce qu'il ne lui a pas prêté d'argent il y a quelques années. La dernière fois, j'étais chez mon oncle, j'avais 3 ans. Vous croyez que je me souviens? Je vous assure que... Taisez-vous! Mademoiselle, on va garder votre statut pendant 2 semaines. Si personne ne l'a réclamé d'ici là, vous pourrez la récupérer. Si ces messieurs vous importunent, vous en faites pas. Prévenez-nous. En attendant, vous pouvez y aller. D'accord. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais c'est pas possible. Ils ont volé les statuettes, je vous assure. Et quant à vous, vous avez d'autres soucis. Alors, comment ça s'est passé? Tout s'est déroulé comme prévu. Coucou. T'inquiète pas. Ah, c'est vous. Au fait, je tiens encore à vous remercier pour votre honnêteté au commissariat. Je vous en prie, voyons, je n'ai fait que dire la vérité. Je m'appelle Catherine. Vous m'aviez l'air intriguée par ces têtes de bronze. J'ai quelque chose chez moi qui pourrait vous intéresser. Prenez le temps d'y réfléchir. Vous pouvez y aller, Bruno. Catherine, si au revoir. J'ai toujours rêvé de visiter ce château. Bienvenue, je suis désolée. Nous sommes obligés de procéder à un contrôle de sécurité. La banque a pris possession de tous les biens. Aucun objet de valeur ne peut sortir de la propriété. Il n'y a pas de souci. Il est magnifique, ce château. Suivez-moi, je vous prie. On y va. Malheureusement, ma famille a fait faillite à cause de la crise financière. En tout cas, c'est une chance de pouvoir continuer à habiter ici. Je suis bien d'accord. Vos ancêtres sont certainement les dernières personnes à avoir vu ces chefs-d'œuvre de l'histoire. Oui, je vois très bien de quoi vous voulez parler. Ce n'est qu'une fois que les objets ont disparu que les gens se rendent compte de leur valeur. Oui, vous avez bien raison. La tête de coq? C'est la raison pour laquelle je vous ai invité. C'est l'original? Je l'ai toujours vue ici depuis que je suis née. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Elle a dit que vous aviez un bel escalier. Oh, merci beaucoup. Allez, venez. Voici mon arrière-arrière-grand-père. Son grand-père à elle. Il y a bien longtemps, elle avait traversé les océans pour rentrer en France avec la volonté de repartir pour retrouver son commandement. Mais il n'a jamais eu les fonds suffisants pour le faire. Ce n'est que quelques années plus tard que son fils, le père de ma grand-mère, a monté une expédition pour repartir en mer et retrouver l'indestructible. Mais il n'est jamais revenu. Il a mystérieusement disparu. J'ai entendu dire que vous possédiez certaines têtes du Zodiac et je me disais que vous auriez peut-être des informations sur mon arrière-grand-père. Je me fous éperdument des têtes de bronze et des bijoux et des diamants. Tout ça doit rester secret. Ce que je veux récupérer... La toile que l'on m'a volée, que j'ai payé plus de 100 millions de dollars US. Je vous avais pourtant dit d'installer un système de sécurité infrarouge, monsieur. C'était plus facile. Hein. C'est de ma faute, peut-être. Ah, non, monsieur. Je vous jure que si vous ne me la ramenez pas, je vous fais massacrer. Oh, c'est le cheval à bascule que j'avais quand j'étais petite. Oh, et c'est mon arrière-arrière-grand-père qui a peint cette toile après être rentré de son périple en mer. C'est le paysage qu'il avait sous les yeux quand il a abandonné son navire et qu'il a regagné la terre ferme. Je vous laisse jeter un coup d'œil. Je vais vous faire du thé. Merci. Par ici. Désolé, cette conversation est privée. Bon, alors comment on s'y prend pour voler la tête de coq? L'idéal, ce serait de rester 2 jours, trouver une combine et mettre les voiles. Ouais, mais il faudrait au moins la remplacer par une réplique et on n'a pas les dimensions exactes. Le professeur Guan les a.
Coco doit les connaître. On n'a qu'à lui demander. Faut surtout pas lui dire qu'on prévoit de voler la tête, sinon elle nous aidera jamais. Alors, c'est quoi le plan? Regardez! Les chasses d'automne de l'empereur Chanlong! Ça a de la valeur? Toutes les antiquités ont de la valeur. Alors le pot de chambre de ma grand-mère doit valoir une fortune. Donc ce rouleau n'avait pas disparu? Moi aussi, je pensais qu'il avait été détruit par les flammes. En 1860, mon arrière-arrière-grand-père navigua jusqu'en Chine sur un navire baptisé l'Indestructible et remporta une grande bataille. Ce rouleau fait partie de ses nombreux butins de guerre. Je suppose que vous faites référence au pillage de l'ancien palais d'été. C'était pendant la seconde guerre de l'opium, vous vous souvenez? C'est uniquement une question de point de vue. Oui, elle a raison. L'assassinat de diplomates français et britanniques par le gouvernement Qing a servi de prétexte pour que la guerre éclate. Est-ce que ça en fait une raison suffisante pour que deux pays industrialisés envahissent une terre agricole? Aux yeux de ces pays industrialisés, la Chine était une superpuissance. Ah, oui, à ce moment-là, notre Qing gouvernement a été un pays indépendant. Vous m'aidez ou vous m'aidez? Ah, bien sûr, je vous aide. Après quoi? Vous dites? Et ensuite? En repartant de là-bas, ils furent pris dans une tempête qui fit chavirer leur navire. Qu'est-ce qu'elle a dit? Faites preuve d'un peu de courage. Désolée, je ne parle pas aux voleuses. Elle a dit quelle grande tristesse. Je n'ai pas dit que c'était une grande tristesse. J'ai dit qu'ils l'avaient bien mérité. Comment ça, bien mérité? C'est vraiment cruel ce que vous dites là. S'il s'est rendu en Chine, c'était uniquement sur l'ordre de l'État français. Il n'a fait que son devoir de soldat. Par chance, il a été repêché par un cargo chinois. Ah. Qu'est-ce que vous avez dit? Elle a dit, il est rentré sain et sauf, Dieu merci. De toute évidence, ce n'est pas ce qu'elle a dit, mais... Merci quand même. Je vous en prie. Qu'est-ce que vous faites? Je rapporte ce rouleau en Chine. Vous êtes chez moi, ici. Vous ne pouvez pas vous servir comme ça? Je vous signale qu'il y a 150 ans, vos ancêtres n'ont pas demandé la permission à qui que ce soit pour voler cette œuvre. Coco. Wow, 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 Coco. Ces événements se sont passés il y a bien longtemps. À l'époque, quand une femme marchait dans la rue un peu trop dévêtue, certains vous auraient jeté la pierre à vous, pas à elle. Hein? Désolé. Qu'est-ce sorry? Pas de bonnes personnes. Ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit cette fois? J'ai rien entendu. Elle a parlé? C'est pas la peine de traduire. Vous avez oublié? 100 ans前... C'est vous qui devriez vous excuser. Il y a plus d'un siècle, vos ancêtres sont venus dans le seul but de nous tuer et de nous piller. Même 150 ans après, ce souvenir reste très douloureux pour le peuple chinois. Oui, c'est vrai. Je suis bien obligée de l'admettre. Ce ne serait pas juste de ma part. J'ai étudié l'histoire et peu importe les excuses invoquées, qu'on le veuille ou non, ces événements ont bien eu lieu. Il arrive parfois qu'on n'ait aucune raison valable pour expliquer ses comportements, comme le fait qu'à l'époque, ce genre de choses était monnaie courante. Il serait idiot de se servir des critères moraux d'aujourd'hui pour juger les erreurs du passé, même si c'est encore la loi du plus fort qui prévaut. Il faut savoir prendre les devants avant que les autres ne le fassent pour vous. Ne vous en faites pas, je commence à comprendre son point de vue. Je suis désolée. Même si au bout du compte, tout ça appartient à la banque, ce rouleau n'a aucune valeur pour moi. Je vous le donnerais si je pouvais. Coco, vous ne vouliez pas visiter le château? Maintenant qu'on est là, ce serait dommage de ne pas en profiter. Allez, venez d'abord boire un thé. Il faut qu'elle aille aux toilettes. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde ça! Catherine! Oui? Juste par curiosité, le navire de votre ancêtre. Oui? Est-ce qu'il a coulé ou il s'est simplement échoué? J'en ai aucune idée. Je vous demande ça parce que nous serions très intéressés de retrouver la trace de votre arrière-grand-père. Oh. Alors, si on pouvait rester 2 jours de plus et faire quelques recherches, on pourrait vous aider à obtenir des informations. Oh, merci beaucoup, ce serait formidable. Il y a toute la place qu'il faut ici. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. Je vais aller faire préparer les choses. Il risque de plus être en vie, hein? C'est pas grave! Coco. Merci, je vous appelle plus tard. Merci encore, vraiment. À très vite. Allez. Si on reste, on pourra voler le coq pénard. Ah non, il n'en est pas question. On est invité ici, on n'a pas le droit de voler. Qui a dit qu'on n'avait pas le droit? Hein? C'est eux qui ont commencé à nous voler. On reprend ce qui nous appartient, rien de plus. Là-dessus, vous avez pas tort. On fabrique une réplique pour procéder à l'échange, mais on ne connaît pas les dimensions du coq. Le professeur Guan les connaît. Je vais les lui demander. Super!
Tenez. Sur les dimensions. Bonjour. C'est du génie. Qu'ils font ici? Ils font un petit pique-nique? On va en faire qu'une bouchée! Regardez, ce sont les données qu'on a recueillies avec le drone. Vous en dites quoi? Pas étonnant que ce soit pas sur la carte. Bingo! Waouh! C'est de cet endroit qu'il a peint cette toile. C'est incroyable ce que vous avez fait. C'est pas nous, c'est la technologie. Bon, et maintenant, c'est quoi le programme? On va camper sur la plage. Oui. Oh. T'es là? T'es pas là? Bon, tant pis, je rappellerai. Martine, je viens de voir que 3 têtes ont été vendues aux enchères. C'est impossible. Mais si, attendez, je vais vous montrer. Hein? Plus de réseau. À tous les coups, ce sont des copies. Ce qui compte, c'est que nous, nous avons les originales. Ce que vous dites, c'est que les fausses pourraient rapporter une fortune? Et les originales, alors? Leur valeur est inestimable. Mais alors... Maintenant, si je peux vous donner un conseil, évitez de vous changer avec la lumière allumée. Pourquoi? Voilà pourquoi. Donc, vous m'avez vu? Non, on n'a pas regardé. Promets. Ne rallume pas l'antenne satellite. Qu'est-ce qu'il y a? Un lézard! Mais c'est pas un lézard, c'est un varan. Où est-ce que vous allez? Les rejoindre. Mais j'essaie de nous dire de rester au campement. Faites comme vous voulez. Attendez-moi. Je fais que ça, vous attendre. Je suis prête. Mais regardez-vous. Oh, c'est rien, c'est ma trousse de maquillage. Ouais, indispensable. T'en es où entre vous? Toujours au point mort. Si c'était pas pour ma fille, je l'aurais déjà quittée depuis longtemps. Et de ton côté? Elle décroche toujours pas quand je l'appelle. 3 petits jours de retard pour lui souhaiter son anniversaire. Y a pas de quoi en faire un plat, on fêtera plus tard. Hé, où est-ce que vous allez? Par là. Et comment vous savez que c'est par là? L'instinct, Coco. L'instinct? Mais bien sûr. Oh, quelle chaleur! À mon avis, les arbres de cette île n'ont pas dû voir beaucoup de bûcherons traîner dans le coin. Sinon, il n'y en aurait plus un seul. Bon alors, ça s'est arrangé? Ouais, mais t'imagines pas les efforts que je fais. Ah ouais? Tu crois qu'il y a une autre solution? Je sais pas, mais j'en peux plus de ces sautes d'humeur. C'est à celui qui larguera l'autre en premier. Je me demande bien qui a eu l'idée d'inventer la Saint-Valentin ou les autres fêtes dans ce genre-là. On s'en fiche de savoir qui c'est, tu crois pas? L'essentiel, c'est que tu sois à ses côtés quand elle a besoin de toi. Si je bouge pas de la maison, qui va ramener de l'argent? Vous les hommes, vous comprenez rien aux femmes. T'as entendu? C'est Coco! Je leur avais dit de rester au campement! Catherine! On arrive! On arrive! Tenez-vous! Je vous ai pris! Je vous avais pourtant dit de rester au campement! Attrapez-vous! J'y sais! Les gars, on a besoin d'aide! Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont tombés dans un gouffre! Je vous avais pourtant bien dit de pas bouger! Oh, vous êtes là! Est-ce que vous pourriez dire quelque chose en français?
sous-vêtements violets. Oh. Ah ah ah, accrochez-vous. Ah 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 ah. Le violet, c'est ma couleur préférée. Quelle idée de venir habiller comme un bal costumé. Ne dis pas comment je m'habille. Vous pouvez dire merci à votre instinct. Mes filles, on n'a pas encore touché le sol. J'y sais. Où est votre main? Juste sous vos sous-vêtements. Enlevez-la tout de suite. Vous allez tomber. Enlevez-la, je me débrouille sans vous. Vous en êtes sûre? Oui, j'en suis sûre. Si vous le dites. C'est bon, vous tomberez pas plus bas. J'y sais. T'en fais pas, tout va bien. Mais Coco a disparu. J'y sais, va bien, mais il sait pas où est Coco. Envoie les coordonnées. C'est par là. Oui. Un peu déboîté, mais ça devrait aller. Hé hey. Simon, regarde ces arbres. Ils ont été sciés à la main. Regarde, des canons et des munitions. Le navire semble dater de la même époque. Tu crois qu'on est tombé sur l'indestructible? J'en ai bien l'impression. T'as trouvé quelque chose? Regarde cette chaîne. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire là? Elle monte tout en haut de cet arbre. L'indestructible. Vous l'avez trouvé? Non, c'est plutôt lui qui nous a trouvés. On peut s'estimer heureux. Je reviens pas. Je crois que c'est notre jour de chance. Oh, n'ayez pas peur. C'est juste une mygale. Oui. J'ai retrouvé mon arrière-grand-père. Quoi? Vous arrivez à le reconnaître rien qu'à son squelette? Non, c'est cette chevalière. Ce sont les armoiries de ma famille, je l'ai trouvée là. Il y en a deux, c'est lequel? Fiez-vous à votre instinct. Réfléchissez pas. Celui-là. D'accord. Vous êtes sûr de ce que vous faites? Oui, je vais mettre votre arrière-grand-père dans mon sac à dos. Son bras? Oh, pardon. Désolé. On est là! On a trouvé l'indestructible! Qui aurait cru qu'on le retrouverait dans un endroit pareil? Comment vous avez fait? Vous êtes trop fort! On est tombé dessus par hasard, après une chute de 15 mètres. Vous avez trouvé les têtes? On en a trouvé qu'une. Hein? Bonnie! J'ai rapporté la trousse de secours! Faites le tour! Il y a un vieux chemin qui descend! Suivez les balises qu'on a laissées! Ok, d'accord, je me dépêche! Merci! Alors c'est ça, l'indestructible. Oui. Comment il a pu atterrir ici? À cause d'un typhon? Un typhon, c'est pas aussi puissant. Un tsunami? Oui, c'est possible. En vous rejoignant, on a croisé des tombes et des squelettes. Ceux qui sont à l'extérieur sont certainement les membres de l'équipage. Mais vu l'état de décomposition de ceux qui sont ici, ils sont pas morts au même moment. Certains d'entre eux ont aussi été poignardés. Ils se sont sûrement battus avant de mourir. Ces hommes devaient accompagner son arrière-grand-père. Ils sont pas morts de cause naturelle. À mon avis, ils se sont entretués.
Si l'arrière-arrière-grand-père était rentré en France, alors pourquoi son fils était venu jusqu'ici? Quelle que soit la raison, ça n'a plus aucune importance. Oui, vous avez raison. Cette histoire remonte à plus de 150 ans, pas vrai? Tu crois qu'elle est en train de se douter de quelque chose? Non, ça m'étonnerait. Oh. Mais alors, s'ils se sont entretués, ça veut dire que le fils était venu chercher les trésors de guerre que le père avait laissés ici? Ça se pourrait? Ça se pourrait? Oui. 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 Je crois que c'est le moment de se soulager. Oui. 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 Mais où est-ce que vous allez? Aux toilettes! Tous les quatre? Oui. Oui, il y a urgence. J'en connais une qui va être très contente, c'est ma grand-mère. Et votre cheville, ça va mieux? Hé! Hey, ça descend de l'autre côté. Et il y a des rondins tout le long du chemin. Je comprends mieux pourquoi il y avait tous ces arbres coupés. Non, éteins cette lumière! Ça va les exciter. Hé! Hey, regardez là-haut! Il y a une ancre gigantesque. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'elle fait suspendue dans les arbres? Ça, c'est un très ingénieux système de levier. Au fur et à mesure que l'ancre descend, la chaîne remonte pour soulever l'arrière du tronc et l'envoyer dans la pente grâce à la poulie. Je comprends mieux pourquoi j'arrivais pas à trouver de poulie sur le navire. C'est là qu'on se rend compte qu'on a beau avoir la technologie, nos ancêtres avaient déjà tout compris. Il y a un truc qui te plaît pas. Oui, je réfléchis à la manière dont on va pouvoir rapporter ce tronc. C'est dans l'hypothèse où c'est bien là que se trouve... C'est pas une hypothèse. Money, money, money! J'y sais, j'ai la trousse de secours. Et ton ami est là aussi. Hé, hey, j'y sais. Oh, comment on se retrouve, mon ami. Je suis tellement content de te voir. Ça pour une surprise. C'est une bonne surprise. Pierre? Catherine. Appelez-moi mademoiselle, vous êtes ridicule. Ta gueule, toi. T'es pas dans ton château, ici. Oui, d'accord. Je savais bien que vous étiez tous de mèche. Je vous ai suivi depuis que vous avez rencontré Catherine. Rendez-moi le tableau et tout le reste que vous avez volé. Vous pensiez vraiment que j'allais venir avec sur cette île? C'est sympa comme endroit ici, hein? Y a personne d'autre. On est entre nous, alors, hein? Je pourrais tous vous tuer et personne n'en saurait jamais rien, hein? Braquez-les! Pierre! Tout le monde va bien? Oh, les cons! Mais je vous avais dit pas de balles dans les pistolets! On n'a rien fait, c'est pas nous! Oh, vous n'avez pas à vous inquiéter, leurs armes n'étaient pas chargées! Mais je vous dis à tirer alors! C'est pas possible, vous êtes vraiment des... Sinon je vous explose la tronche! C'est des pirates? On dirait. On a tout l'air. Je vous promets d'obéir! Sinon je vous jure que je vous bute! Jusqu'au dernier! Si on fait équipe, on a une chance de les battre. Ça fait un bout de temps qu'on traîne dans les parages! Et pourtant, on n'avait jamais découvert cet endroit. Bienvenue sur mon île, chers amis. On ne vous veut aucun mal. Tout ce qu'on veut, c'est votre argent. Tout le monde à terre, dépêchez-vous. Maintenant, compris? Ne jouez pas au plus malin avec nous, et personne ne sera blessé. Exactement. La rançon s'élève à 500 000 dollars par tête. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, alors au travail. Ouais, bien parlé. Sinon, on les découpe et on les balance sur requin. Je serais pas contre garder les trois femmes. Il y en a bien une qui servira. Sans vouloir abuser, messieurs, j'aimerais vous parler. Nous ne sommes pas avec ces abrutis. Mon patron se ferait un plaisir de vous donner tout l'argent que vous voulez. Il est très riche. Et ces types voulaient se rebeller, mais moi j'ai dit non. Mettez-vous à côté. Merci. Bon alors, qu'est-ce qui vous amène sur mon île? C'est mon chapeau. Hé, je vous écoute. Vous foutez quoi ici? Du camping. Du camping? Le pôle de camping, c'est moi. Vous faites quoi ici? Un barbecue. Ils nous prennent pour des cons. Ils avaient un détecteur de métaux. Un barbecue avec ça? Qu'est-ce que vous faites avec ce truc? C'est un mini micro-ondes. Vous croyez que je suis stupide? Ceci est un détecteur de métaux. Qu'est-ce que vous cherchez? Hein? Très bien. Comme vous ne voulez pas me répondre, je trouverai tout seul. Emmenez les filles. Ne touchez pas. Tout le monde à terre. T'es taré ou quoi? Hey, c'est même pas moi qui ai appuyé. Occupe-toi de lui. Oh. Oh,
Ça va, patron? Rien de cassé? Personne ne bouge! En fait, j'ai oublié de vous dire, ils sont pas chargés. Si on bouge pas, les gars, il peut rien nous arriver. Oui. Empêche-le de prendre son arme. Chargé, je te préviens. Aidez-moi. Ah, c'est bon. Je compte jusqu'à 3. 1. Pied. 2. T'en as trouvé qu'une? J'avais pas envie de mourir sur place.
Ne bougez plus! Ne bougez plus! Bonnie, qu'est-ce que t'as pas fait? Allez, c'est le moment! Par ici! Allez, en route! On n'a pas de temps à perdre! Ça va, t'as rien? Attrape! La tête de chèvre? Qui c'est? Pas venu pour rien. Ah! Oh, ma cheville! Ah, oh, j'ai mal! Ah! Ah! Coco! Ça va? J'ai trouvé de l'or! Comment vous savez qu'il y a de l'or? Il vient de tomber! Vous saviez qu'il y en avait dans le tronc? J'ai jamais dit que je l'avais trouvé dans le tronc! Faites voir! C'était dans ma botte! Attendez, il y a de l'or dans cet arbre? Non! Bon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Hé, hey, regardez ce qu'on a trouvé! Ah! Ah! Remballe-la! C'est une nouvelle? Et la tête de serpent? C'est JC qui l'a! La tête de dragon est forcément là-bas. Ben vas-y toi. Pas question. Arrêtez, on s'en fiche. Oh, et maintenant c'est par où la sortie? Par là. Ah, oh, accrochez-vous, qu'est-ce que vous faites? Ne bougez pas. Ah, fais gaffe à mes doigts. T'inquiète, je gère. Tu gères rien du tout. À moi. Toi aussi, hein, fais attention. Capitaine, allez au sud-est de l'île. On peut pas aller plus loin. Par ici! Tenez-vous prêts! 1, 2, 3! C'est coincé! Qu'est-ce qui se passe? Pas le temps de vous expliquer! Je vois les pirates! Vous n'irez nulle part! Et vous là, attendez pour tirer! Viens! Votre foulard! Votre foulard, vite! Couvrez-les avec ça! Tiens! Mettez ça sur la tête! Simon! Oui? Viens l'aider! Mettez ça! Oui. Hein? On dit toujours que le miel, c'est bon pour la santé! Je vous en ai dit de... Force et honneur! Te rate pas! T'as qu'à le faire, toi! Non, pas moi! Tiens! Quoi? Allez! Ah, les Sadaïs font droit sur nous! Sortez vos fumigènes! Dépêchez-vous! Des abeilles. Elles vous ont épargné? Non. Appelez votre patron. Oui. Tout le monde va bien? Oui, ça va. Après.
monde est là? Ouais. Je suis là. Personne n'est blessé. Ça va. Vous avez perdu votre arrière-grand-père. Vous inquiétez pas, il adorait la mer. Par ici. On est là. Par ici. Capitaine. Voilà au vent. Pas de panique, je suis là. Le tronc mesure 1,30 m de diamètre par 7 m de long. Donc son volume cylindrique est de 9280 m3. En considérant son poids relatif et le fait qu'il flotte toujours, un 1/22e de son poids total devrait être de l'or. Si on divise ce poids par la taille d'un lingot, ça donne 2900 lingots. On multiplie par la densité de l'or, ce qui nous fait 8 tonnes. Donc ça? Ça fait une tonne chacun. Qu'est-ce qu'on fait des deux autres tonnes? On les divise en 8. Et les deux dernières parts? Sont pour toi, Simon. Pourquoi lui? Parce que j'ai décidé, et puis c'est tout. C'est déjà en se disputant l'or que tous ces gens se sont entretués. On se dispute pas, on discute. Alors, qu'est-ce que ça donne? 8 tonnes, peut-être même plus. Il faut qu'on fête ça. Venez sur le pont, allez. Un seul mot pour décrire cette aventure. Romantique. Excitante. Fascinante. Enrichissante. Extraordinaire. Santé. Laissez votre message après le bip. Je sais que t'es à côté du téléphone. Arrête de faire la tête, s'il te plaît. Je préférerais que tu décroches et que tu m'engueules. Bon, rappelle quand vous tu voudras. Vous ne pourriez pas avoir une vraie discussion avec Bonnie? À chaque fois qu'on essaie de discuter calmement, on finit toujours par se disputer. Bonjour. 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 Au fait, merci pour hier soir. De rien. Il n'y aurait pas... Tiens, tes médicaments. Merci. Il n'y aurait pas quelque chose que vous auriez envie de me dire? Comme quoi? Bonjour tout le monde. Non, restez Bonjour. Ici. Bonjour. J'y sais, hier soir, j'ai écrit un poème pour tous vous remercier de ce que vous avez fait pour moi. Coco, vous le traduisez en chinois? D'accord. De vaillants chevaliers secourent les opprimés. Comment? Ils s'embarquent pour un voyage non sans danger. Cœur pur, droit, téméraire, dépourvu d'intérêt. Leur générosité sera récompensée. Dieu vous bénisse. 每到除夕, 你都会问自己, 有没有偷过新年的生肖同手? 就算你得到全世界的财富, 也换不到一点心灵的平安喜乐。 Tous ces mots en chinois pour Dieu vous bénisse? Oui. Attendez, vous êtes sûr d'avoir bien compris ce que j'ai dit? J'ai raison ou pas? Très joli. J'ai adoré. Magnifique. Qu'est-ce qui vous chagrine au fond? Vous n'aviez qu'une idée en tête, c'était de trouver cet or. Sinon, à quoi servaient ces détecteurs? Qu'il s'agisse d'or ou de bronze, on pouvait pas faire sans. Arrêtez de mentir. Votre objectif depuis le début, c'était de trouver cet or. Une minute. De quel droit vous fouillez dans mes affaires? Ne me prenez pas pour une idiote. Je suis tombée dessus hier soir quand je vous ai raccompagné dans votre chambre. Hé, regardez, des dauphins. Ah, et il y a aussi des baleines. Des crocodiles. Quoi? Pas de crocodiles dans la mer. Descendons. Ils peuvent monter à bord. Vous faites une bonne équipe tous les quatre. Allez-y, je vous écoute. Jetez-moi la pierre. Vous n'êtes pas reporter, vous ne vous appelez pas Martin Changuan. C'est vrai. Vous n'étiez pas à la recherche de l'ancêtre de Catherine. Vous ne pensiez qu'à l'or et aux têtes de bronze. Oui, effectivement. Les bronzes que vous retrouvez, vous les revendez systématiquement aux enchères? Oui. Et vous comptez faire quoi avec ces deux-là? Quelqu'un les récupérera au port. Je croyais qu'elles étaient destinées au peuple chinois. Mais en fait, vous êtes un mercenaire. Des reliques, on en trouve partout dans le monde. Pourquoi on ne pourrait pas en tirer profit, nous aussi? Vous n'éprouvez aucune honte? Et la fierté nationale dans tout ça? Ces pauvres têtes cabossées n'ont rien à voir avec la fierté d'un pays. Ça fait des siècles qu'elles témoignent de notre héritage culturel. Des siècles, c'est rien comparé à une histoire qui s'écrit depuis des millénaires. Les techniques actuelles nous permettent de faire des copies plus vraies que nature. Pourquoi ils se disputent? Pour rien, c'est pas important. Laissons-les. Si vous voulez, je demanderai à quelqu'un de vous en fabriquer une douzaine pour chaque dynastie. Pourriture. Je vous trouve un peu sévère. Depuis le premier jour, vous vous êtes servi du professeur Guan comme vous vous êtes servi de moi. Jeune fille, ne vous prenez pas pour plus sainte que moi. On vous a jamais forcé la main pour venir. Si un poisson n'ouvre pas la bouche, il ne peut pas mordre à l'hameçon. Cette fois, c'en est trop. Y a pas de quoi être fier quand on est un menteur. Vous avez trahi ma confiance.
Faut pas exagérer, on vous a pas attendu pour commencer. Je me fiche de vos magouilles, mais si jamais vous causez du tort à votre famille et vos compatriotes, votre descendance vivra à jamais dans la honte. Arrêtez le bateau! Qu'est-ce qui se passe? Notre ordre! Qu'est-ce qu'il y a? Rien! Restez dans la cabine! Et le tronc est dans l'eau depuis trop longtemps. Tu peux pas anticiper. C'est toi qui t'es planté. T'as attaché la corde du mauvais côté. Non, j'y suis pour rien, c'est ta faute. Tu veux rire? Assez. Arrêtez de tuer. C'est la faute de personne. Arrêtez de dire n'importe quoi. On pourra venir les chercher une autre fois. Ouais. T'as raison, c'est ça. Les pirates se feront un plaisir de récupérer notre place. On leur paiera le déplacement. Et on partagera. Les pirates qui naviguent par ici viennent des quatre coins du monde. Comment tu veux qu'on partage? Ça suffit, on se calme maintenant. Si ça peut vous consoler, il me reste toujours un lingot d'or. Si vous avez besoin d'argent, il est à vous. Vous êtes plus chanceux que son arrière-grand-père. Au moins, vous ne rentrerez pas les mains vides. Oui, Coco a raison. On n'est ni les premiers ni les derniers à tenter de rapporter cet or chez nous. Mais on aura beau tout faire, la nature nous le reprendra toujours. En plus, les pirates nous empêcheront de revenir le chercher. Il sera mieux gardé ici que dans un coffre-fort. Alors autant le laisser reposer tranquillement au fond de l'eau. Maniez-vous de noter les coordonnées? Tout a coulé. Quoi? Quoi? Comment ça a coulé? Mais vite, dépêchez-vous! Mais qu'est-ce que vous attendez pour plonger? À vous l'honneur. Professeur! Professeur! Oui. Professeur Guan, nous voudrions vous poser quelques questions au sujet des têtes de bronze. Continuez votre travail, je reviens tout de suite. Aujourd'hui, à Londres, la vente aux enchères des têtes de chèvres et de serpents a fait exploser tous les records. La dernière tête, celle du dragon, devrait être adjugée à un prix encore plus élevé. La vente des têtes de bronze a soulevé de nombreuses controverses. L'appel des manifestants à rapatrier les trésors du patrimoine national s'intensifie un peu plus chaque jour. Nous ne voulons pas que notre sentiment patriotique soit pris en otage. C'est une grande fierté de voir la jeunesse de notre pays faire entendre sa voix. La vente aux enchères de ces pièces historiques encouragera fortement l'activité criminelle. Tous ces individus qui osent piller les reliques sont bien pires que des voleurs. Ouais ! Le masque funéraire de l'épouse d'un pharaon égyptien ainsi qu'une statue du Bouddha rieur viennent d'être retirés d'une vente aux enchères suite à l'ampleur des différentes vagues de protestations à travers le monde. On ira... Ouais ! Police, est-ce que vous connaissez ces deux personnes? Nous apprenons à l'instant que MP Corporation vient d'obtenir l'autorisation de vendre aux enchères la tête de dragon. Ce bronze devrait donc se retrouver sur le marché très rapidement. Ça fait des dizaines de fois que j'essaie de te joindre. T'inquiète pas, j'ai compris. C'est terminé. À partir de maintenant, tu peux être sûr que j'essaierai plus jamais de t'appeler. Ça y est, on sait où aller. De quoi tu parles? De la tête de dragon. Morgan va la vendre aux enchères la semaine prochaine. Comme par hasard, ceux qu'il avait depuis le début. On n'avait aucune chance d'avoir la prime qu'il nous avait promise. Il s'est bien foutu de nous. Il faut dire qu'on a agi comme une bande d'amateurs. Jonathan nous a menti sur toute la ligne. Il était de mèche avec MP Corporation. Je parie que c'est eux qui ont fait tabasser ces étudiants. Je me trouve actuellement sur la place du Trocadéro où les manifestants se sont manifestation. La société MP Corporation est accusée de participer. Les forces de l'ordre sont là pour encadrer la manif. Est-il vrai que les jeunes étudiants qui faisaient partie de votre organisation ont été gravement blessés? Non, désolé, on ne veut pas s'exprimer là-dessus. D'accord. Merci. Ce sera tout. Monsieur, un commentaire. Je n'ai rien à vous dire. Madame, s'il vous plaît, une impression sur la banque. Pour l'heure, l'ensemble des manifestants s'est donné rendez-vous. Il ne faut pas oublier qu'à l'origine, les joyaux de la couronne d'Angleterre appartenaient au patrimoine culturel de l'Inde. Comment expliquez-vous le fait que nos reliques historiques fassent partie des expos permanentes de musées étrangers? Un lot tout à fait approprié, puisque nous sommes dans l'année du dragon. Voici, mesdames et messieurs, la tête de dragon. La mise à prix est de 60 millions d'euros. De nombreux trésors nationaux ont été sauvagement pillés avant d'être revendus à l'étranger. Parmi eux se trouve la célèbre tête de dragon, présentée aujourd'hui comme la star de la salle des ventes. Oui? T'es sérieuse? Super, attends-moi alors. Dis à ma sœur que je reviens dans pas longtemps. Quoi? À tout à l'heure, je reviens. Mesdames et messieurs, les enchères sont ouvertes. 10 euros!
Achat. Monsieur Morgan, monsieur Morgan. Bonjour, aucun commentaire. Prends un max de photos. Michel, envoie ça à Coco, fais vite. Oh, d'accord. Hé, prends-en avec le mien aussi. Quelle interview? Je parle pas aux journalistes. Allô? Patron? On a chopé 3 étudiants, on en fait quoi? Et qu'est-ce qu'ils faisaient? La même chose que les 2 autres, ils prenaient des photos. Pour l'instant, ferme-les. T'es sûr qu'il y a vraiment pas d'autre solution? Pas la peine de laisser traîner. Et voilà, j'y ai réfléchi toute la matinée. Merci. Nathan, ça... Tu voudrais bien donner cette lettre à qui tu sais? Essaie de pas te prendre la tête. Fais comme moi, reste cool. Allô? Hein? Quoi? Oui, je sais que c'est toi, j'ai reconnu ta voix. Ah bah dis donc, c'est pas trop tôt. Non, non, pas du tout, tu me déranges pas. Cette zandouille allait s'en aller. Eh oui. Moi aussi, je t'aime. Comme tu voudras, c'est toi qui choisis. Ciao. Ouais, salut. Chinois, japonais, italien. Tout me va. Non, ça m'est égal. Ouais, d'accord. Super. Excellent choix. C'est vrai. Ah bon? Ouais, je t'attendrai toute la vie s'il le faut. Ouais, moi aussi. Au revoir. Yes! Yes! Je savais que tu finirais par me rappeler. Comme dit le proverbe, qui sème le vent récolte la tempête. Et toi et le ciel t'aidera. Coco est ici. Mais qui? Coco, elle est dehors. Elle veut te voir. Bah, qu'est-ce qu'elle me veut? C'est pour moi? Est-ce que vos amis vont bien? Il y en a 3 autres qui ont disparu. Quoi? Mon frère, Lily et Michel. Mon frère est ma seule famille. J'ai grandi avec lui. Avant que mon père nous quitte, il m'a demandé de veiller sur lui et c'est ce que j'ai toujours fait jusqu'à aujourd'hui. Il est tout ce qu'il me reste. L'avenir de notre famille dépend de lui. Chacun de nous se donne à fond pour essayer de sauver le patrimoine culturel de son pays. Mais maintenant, 2 de nos membres sont à l'hôpital et 3 autres ont disparu. Et on ne sait même pas s'ils sont encore en vie. Je vous en supplie. Ressaisissez-vous. Vous avez appelé la police? J'ai déjà tout essayé. Il n'y a rien d'autre que je puisse faire. Vous êtes mon dernier espoir. Si je peux faire quoi que ce soit, surtout dites-le-moi. Mais... ces gens qui les ont enlevés... Je suis désolée, je voulais pas vous déranger. Et à cause de moi, le professeur Gwan est en garde à vue. Tout ça pour m'avoir rendu service. Bonnie, pourquoi tu pleures? Papa, tu dois faire ça. Maman, tu dois faire ça. Coco a dit que son frère avait disparu alors qu'il espionnait MP Corporation après l'annulation de la vente. Je suis sûre que Morgan est lié à tout ça. On voit que Deving, qu'est-ce qui prouve que c'est bien lui? À toi de trouver, je croyais que t'étais toujours prêt à aider les autres. Toi, je veux t'aider. C'est vraiment ça que tu veux? C'est lui qui insiste. Lui et moi, c'est terminé. On n'arrive même plus à supporter. Comment ça, vous n'arrivez plus à vous supporter? Tu sens mauvais? T'as ridiculisé en public? Ne baisse pas les bras. Pas avant d'avoir tout donné. Quand on vous regarde, vous êtes pire que des gosses. Même ta fille te dit ce que tu devrais faire. Notre couple était voué à l'échec. Arrête ton cinéma. Tu sais très bien que quand on veut, on peut. Donne-toi les moyens d'y arriver. Viens pas me faire la morale. On n'a pas de temps à perdre. Des gens ont besoin de notre aide. C'est bien beau de faire des promesses, mais concrètement, comment on s'y prend, hein? C'est toi qui viens de me dire quand on veut, on peut. Alors faudrait savoir. Chut. Salut, Jonathan. Quoi de neuf? Tu devineras jamais ce que je viens de te dégoter, le tableau des roses. Super, j'arrive tout de suite. C'est comme ça que ça marche. Allez, je vous ai pas menti sur l'adresse d'MP Corporation. Franchement, pourquoi je vous aurais menti? Je le crois. Mais pourtant, tu savais que Morgan avait la tête de dragon depuis le début et qu'il n'a jamais été question qu'on touche le prime. Qu'est-ce que j'en sais, moi? On se connaît depuis un bail, pourquoi je pipoterais? Tu crois que je suis né de la dernière pluie, peut-être? Non, tu me prends pour qui? J'oserais jamais. Non, non, attends, attends, attends. Qu'est-ce que tu fais?
mais s'il te plaît, déconne pas. Ceci est l'acide le plus puissant du monde. Je l'ai fabriqué spécialement pour toi. Reste tranquille. T'as voulu nous doubler? J'avoue, oui, je vous ai menti depuis le premier jour. Je vous ai dit la vérité, alors pourquoi vous m'avez torturé? Du citrate de bétaïne? Ça alors? C'est du génie! Si vous avez fait tout ce chemin, c'est uniquement pour me voir ou c'est pour squeezer les intermédiaires? Ce sont que des parasites. Jonathan nous a menti pour la tête de dragon. Faut pas lui en vouloir. Ça fait des années qu'elle est en notre possession. Même moi, j'avais oublié. Peu importe. Dans le monde des affaires, c'est le bal des menteurs. C'est pas comme si j'avais pas l'habitude. Où sont les roses? On se serait pas déplacé si c'était pas l'original. Faut quand même que je vérifie. D'accord, mais on veut pas le quitter des yeux. Entendu. On est prêt, patron. Très bien, allez-y. Bonjour, monsieur Morgan. Bonjour. J'ai quelque chose à vérifier. Salut tout le monde. Je ne peux pas faire de copie en deux minutes. Vérifiez ça, s'il vous plaît. Attendez ici. On peut faire le tour du propriétaire? Faites-vous plaisir. Qui aurait cru qu'il puisse cacher un labo de vérif en dessous d'un vignoble? En réalité, c'est une plaque tournante de la contrefaçon. Ils génèrent des milliards tous les ans. C'est eux qui tirent les rênes du marché. Oh! C'est pas un tableau qui aurait été volé dans un musée européen? Il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Les personnes qui travaillent ici sont tous de vrais artistes. Sauf qu'ils ne connaîtront jamais le succès. Surveille les étages supérieurs. Qui c'est? Et eux, qu'est-ce qu'ils font là? Ils décapent un vase en porcelaine avec du sable. Ensuite, ils le passent dans un pack chimique. Et à la fin, on aura l'illusion qu'il s'agit d'une véritable antiquité. Le papier de riz se compose de plusieurs couches qui peuvent être séparées. Celui-ci, c'est un original. En le séparant, on obtient deux originaux. On pourrait pas en avoir cinq ou six? Non, elle serait trop fine. Et eux, ils font quoi? Ah, ça, c'est du papier de soie. Il n'y en a qu'une couche, alors ils le coupent en huit pour le vendre en plusieurs morceaux. Ah, pas mal, fallait y penser. Regarde, Bunny, les antiquités qui ont subi les ravages du temps peuvent être parfaitement restaurées. Il leur suffit d'assembler le neuf avec l'ancien. Donc elles sont en partie vraies et en partie fausses? Ouais, après l'avoir passé au rayon X, un vase flambant neuf peut gagner 1000 ans d'histoire. Oh, c'est drôlement ingénieux. Mais alors sur le marché, il reste combien d'originaux? À présent, 90% sont des copies. Je plains tous ces riches. Monsieur, s'il vous plaît, par ici. Hé hey, salut, JC. Qui c'est, celui-là? Sans doute un des hommes du vautour. Oh, et ça, c'est quoi? Ça, c'est... un fourneau spécial pour produire des émissions de gaz carbonique. Il a été conçu pour berner les experts en antiquité, mais le processus n'est pas encore tout à fait au point. Du coup, le combustible et le catalyseur ne peuvent être ajoutés que manuellement. J'en reviens pas qu'ils aillent aussi loin. C'est pas dangereux avec une technique aussi sommaire? Ah ça, dès qu'on joue avec le feu, ça devient dangereux. Quelle joie de te revoir, JC! Ben alors, t'as perdu ta langue? J'ai rien à dire, c'est tout. Allez, fais pas ta mijaurée! Qui c'est ce gars-là? Le seul et l'unique JC. Une pointure dans le milieu. On n'est pas toujours à la hauteur de sa réputation. Des concurrents? Lui et moi, on joue pas dans la même cour. Je m'abaisserai jamais à son niveau. Pardon? À ta place, je la ramènerai pas trop. Quoi que tu fasses, je serai toujours le meilleur. Vautour, tu as volé un Bouddha qui provenait d'un temple d'Asie du Sud-Est. En effet. Et aujourd'hui encore, ces idiots sont persuadés que c'est l'œuvre de leur pays voisin. Tu es responsable d'avoir déclenché une guerre qui a fait des milliers de morts. Les gens meurent, c'est la vie. C'est leur problème. Tu es la vermine de notre profession. Tu sais que la dernière personne qui m'a dit ça ne respire plus depuis longtemps. Ah oui? V-E-R-M-I-N-E. Vermine. T'es au courant que je peux te botter le cul sans décoller de ce canapé? Si tu me montrais. T'as perdu? Non, je touche encore. Thank you.
Moi aussi. Stop! Vous pouvez y aller, je vous libère. Passez de bonnes vacances. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Je peux savoir à quoi vous jouez? On testait le mobilier. Mauvaise imitation. Vous foutez pas de moi. Les règlements de compte, c'est dehors, pas ici. Pigé? C'est bon, c'est l'original. Les roses? À 11h, regarde. Celui-là est terminé. On déménagera plus tard. T'auras ton argent demain, comme d'habitude. Votre prix est très élevé, on va attendre mon père. Si vous voulez, je peux vous faire un bon prix. Mais je veux les trois otages. De quoi vous parlez? Je parle des étudiants que vous avez enfermés là-haut. Oh. Je suis pas vraiment sûr d'avoir tout saisi. Et je vais vous montrer. Voilà, ça confirme ce que je disais. Alors, prouvez-le si vous êtes si malin. Bonnie. Avec plaisir. Alors, toujours envie de faire le malin? Je cherchais un défouloir depuis ce matin. Tu vas en prendre pour ton grade. Oh! Vautour, fais quelque chose. Non, laisse les scrapper le chignon, ça va. Ouais. Fais voir ce que t'as dans le ventre. Allez, vautour, élimine-le. 5 gardes contre un seul mec, faut vraiment être des bras cassés pour pas y arriver.
Là, au moins, c'est équilibré. Ici. Enfin, on se rencontre. Papa, c'est la faute de JC. La ferme. Cet abruti, je vais te tuer. T'as toujours pas retenu la leçon. On n'est pas des kidnappeurs, t'entends? On est des faussaires. Désolé, patron, mais je crois qu'il faut qu'on quitte les lieux au plus vite. C'est l'original? Oui, c'est le vrai. Tu l'as fait authentifier? Oui, il n'y a aucun doute. JC. J'aurais préféré vous rencontrer dans un autre contexte. J'aurais préféré que vous ne soyez pas un faussaire. Là-dessus, vous n'avez plus à vous en faire. Et pour la peine, vous allez me laisser ce tableau à titre gracieux. Bien. À présent, j'espère que vous escorterez ces jeunes gens chez eux en toute sécurité et que nous pourrons enfin repartir sur de bonnes bases. Marché conclu. D'accord. Alors du balai. Oh ! Je suis navré pour la tête de dragon. J'imagine qu'elle a disparu, tant pis pour le zéro supplémentaire. Profitez bien des roses. Papa, tu les laisses pas partir un peu trop vite? Interpol sera là d'une minute à l'autre. Fallait qu'on détruise tout. Il nous a rendu service. Quant à toi, sauve ce que tu peux sauver, tout ce qui a de la valeur, et ensuite tire-toi de là. Et fais en sorte que ce soit Franck qui porte le chapeau. C'est d'accord. J'ai une mission pour vous. Je vous écoute. Le marché de l'art s'est effondré à cause de ces petits pleurnichards et de leurs manifestations à la noix. Je veux donner au monde une bonne leçon. À commencer par la tête de dragon. Comment? L'heure est venue pour le dragon de prendre son envol. Ça me fend le cœur.
Les grandes salles des ventes ont fait l'objet de pressions suite aux nombreuses manifestations à travers le monde pour la restitution des trésors nationaux. LP Corporation a ah, je crois que vous pouvez enfin commencer à comprendre le sentiment de joie que je ressens. Je déclare ouverte la vente aux enchères privées de la célèbre tête de dragon. Je suis en ligne avec Dorothy. C'est bon, ils sont devant. Merci infiniment. J'ai une super nouvelle, écoutez. Les entreprises chinoises ont fait un don total de 50 millions de dollars. Ça sert à rien, le gouvernement chinois n'acceptera pas le moindre objet acheté aux enchères. Dis-leur que c'est nous qui allons l'acheter et qu'on le regarde précieusement. C'est pas possible, celui qui l'achète devient l'ennemi juré. Pour la deuxième et dernière fois, la voici présentée aux enchères sans mise de départ. Y a-t-il une offre ? Alors que toute la presse internationale est sur le qui-vive, MP Corporation a menacé de jeter la tête de dragon dans un volcan si aucune offre n'a été faite avant midi. Je me trouve actuellement au pied du volcan. Comme vous pouvez l'apercevoir, je suis en ce moment... Mesdames et messieurs, la barre fatidique de midi approche dangereusement et je n'ai toujours pas d'offre. Si la tête ne trouve pas d'acquéreur, MP Corporation la jettera dans le volcan qui, comme vous pouvez le voir, est en pleine éruption. Mesdames et messieurs, je n'ai toujours pas d'offre. Plus que 10 secondes. 5 secondes. Dernière chance. Cet objet est retiré de la vente. Je lui dis, à mon humble avis... Monsieur, la tête de dragon a été retirée de la vente faute d'acheteur. Tu largues. Prêt pour le grand saut, c'est parti. La mission vient de commencer. Nous avons les yeux rivés sur les trois parachutistes. De toute évidence, l'un d'entre eux est de la tête de dragon. Ils ont sauté. Regardez, regardez. Je te rappelle. Cette opération d'envergure totalement inédite a été baptisée par MP Corporation l'envol du dragon. Qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression de voir un quatrième parachutiste. Regarde là-haut. Vas-y.
Ces deux hommes sont encore en chute libre. Ils doivent impérativement ouvrir leur parachute. Ils prennent beaucoup trop de risques. Nous sommes parvenus à faire un gros plan sur ce quatrième homme. Pour l'instant, nous ignorons... Hé, c'est Martin. Je le reconnais. Oui, c'est lui, on dirait Martin. Non, ça peut pas être lui. L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Si tu crois que tu peux me battre, tu restes. Qu'est-ce que tu fais? T'es complètement fou. Le mystérieux parachutiste vient d'abandonner son parachute et il ne peut même plus compter sur le dragon pour le sauver. À toi. T'es vraiment un type pas comme les autres. Lawrence Morgan et son fils Michael viennent d'être arrêtés suite à la découverte au siège de leur société du tableau des roses dont la valeur est inestimable. Yes! Et en marge de cette affaire, nous sommes heureux d'apprendre que 4 ambassades ont reçu des colis anonymes contenant des trésors nationaux qui avaient disparu. En effet, parmi eux, on retrouve le sceptre de Toutankhamon et celui de Catherine de Russie. On compte également une boîte à bijoux indienne ornée d'un aigle doré. Sans oublier la célèbre étoile d'Arabie. Personne ne sait qui se cache derrière ce mystérieux expéditeur. Surprenant, vous ne trouvez pas? Dans un même registre, l'ambassade du Japon vient d'annoncer qu'elle allait rendre 5 livres anciens à la Corée du Sud. Dans un instant... Ouais! Bonjour, je m'appelle Anna et au nom de l'Association pour la préservation du patrimoine, je vous offre ce bouquet en signe de remerciement. Ah, oh, c'est gentil, merci. Inutile de le remercier, il en a vendu plus qu'il en a rendu. Montre-lui, Coco. Le professeur Guan a été libéré. Monsieur Liao, votre femme vient d'accoucher. Oh, je vous suis! Il faut que j'y aille! Dépêche-toi, Phil! Ah, je reviens tout de suite. J'y sais. T'es un héros. Je sais pas ce qu'elle veut, mais elle a pas l'air contente. Je te laisse! C'était la dernière fois! Coco! Coco! Anna! Catherine! Oh, Catherine! J'ai quelque chose pour vous. Les chasses d'automne de l'empereur? Ça là, oui. Un petit cadeau de ma sœur. Votre couleur préférée. Comment va JC? Il est réveillé, allez le voir. J'y vais de ce pas. Les chasses d'automne de l'empereur Qianlong.
Bonnie, il y a quelqu'un pour vous. Ce n'est qu'en réunissant nos deux moitiés qu'on lui apportera un équilibre et qu'elle grandira dans un environnement stable. Alors, si tu le souhaites, on peut recommencer à zéro. Hé ! C'est une fille ! Vite, venez la voir ! Félicitations. Comment elle s'appelle ? Colombe. Colombe ? C'est adorable ! Ouais, c'est le symbole de la paix. JC m'a proposé une liste de noms et j'ai choisi. Sœurette ? Sœurette ? Chut. Qui c'est? C'est elle qui lui laissait les messages. Venez, okay, allons voir. J'en reviens tout de suite. Quoi? Oh oui, venez. Vous la connaissez? Ne vous inquiétez pas, il se remettra très rapidement. Il devrait pouvoir sortir d'ici une semaine ou deux. Merci, docteur. Je me disais que... T'inquiète pas. Oublie le dernier message. Maintenant, je sais que tu avais une bonne excuse. Ah. Allez, viens par là. Action! Je me suis brûlé la main. Attrapez les chiens et retenez-les. Mais je pense qu'il va me bouffer. Je viens de voir le volcan jaillir devant moi. Tu vas tomber! T'inquiète pas! Mais j'ai fait pour de vrai! Laisse tomber, la prise est pas bonne, je me suis fait mal. J'ai toujours peur quand je dois tourner une scène dangereuse. Je réfléchis énormément à mes cascades. Je ne laisse aucune place au hasard. Je me dis que ça pourrait être ma dernière prise. Peut-être même la dernière de ma vie. On la garde? Lui et moi, on joue... lui et moi, on joue... Je m'abaisserai jamais à ton niveau. Sortez du champ. Envoyez la fumée. 3, 2, 1, action! Même les machines me comprennent. Approchez-vous tout le monde!
Un jour, je pourrai dire fièrement à mes petits-enfants que tout ça, c'est moi, Jackie Chan. Je suis si fier de moi. Je veux profiter de l'occasion pour remercier tous mes amis qui vivent aux quatre coins du monde pour votre soutien sans limite. J'ai appris énormément de vos remarques, qu'elles soient positives ou négatives. Ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui. J'adorerais continuer à faire des films que le monde entier pourra apprécier. Qui je suis ? Je suis Jackie Chan. Merci. Given me more time.
has come to let you go. To let you go. I was wrong, but it feels like I'm right. I wish that I could see deeper in your soul. Your happiness is all I ever.